change de musique. Je répète. Là, je passe à l'application des petites pastilles de couleur. C'est la partie délicate du boulot. Il faut qu'elles soient bien collées, mais que je défonce pas le pot avant de les coller, en les tournant. Donc, j'ai choisi deux couleurs, du jaune et du noir, parce que c'est joli. Et ça donne pas les mêmes couleurs après la cuisson. Le noir va être marron très foncé et le jaune, ça dépend des cuissons. J'ai dit 3. Donc, voilà. Attends, ça bouge pas, c'est moi qui bouge. De toute façon, c'est pas grave si ça se colle de travers, puisque de toute façon, ça va se barrer de travers quand je vais tourner. Hop, une petite jaune en dessous. Ce qui est important, c'est toujours de garder la main à l'intérieur, en face, de façon à ne pas traverser la terre. Là, ces deux-là, on va les poser en vide. Ça, j'aurais des effets de rotation différents. Voilà, ça me semble bien collé, ça. Et la dernière, dans l'autre sens. Alors, c'est comme tout ce que je fais. Hein. J'ai l'impression de maîtriser, mais en fait, c'est totalement aléatoire. Hein. Enfin, je donne l'impression de maîtriser. Mais... En fait, je suis un gros fumiste. Je fais semblant de savoir ce que je fais, mais j'y vais complètement au pif. Ah, allez, attention. Là, il faut que j'y aille tout doucement, en resserrant et en collant bien les petites pastilles. C'est parti pour le tournage à proprement parler. Ah oui, ça commence déjà. À fusionner. Hop. Et là, on prend de la hauteur. Il y a quel poids de terre, JJ, là, à peu près? 1,5 kg. 1,5 kg sans les pastilles. Oui, ouais, sans les pastilles. Donc, ça veut dire qu'il y a 1,550 kg. C'est des barrettes de shit, les pastilles. Ah bah, celle-là, je ne conseille pas de les fumer. Hein. Hop. Ouais. Okay.
essayer de pas trop tirer sur la terre. Là, tu travailles de la porcelaine, c'est ça? Ouais, porcelaine, et puis les petites pastilles sont des grès colorés. D'accord. Qui ne glissent pas à la même température que la porcelaine. Parce que les grès décorés, là, ils vont tourner, ils vont cuire à 1280 degrés. Et théoriquement, la température de cuisson de la porcelaine, c'est 1400. D'accord. Mais en fait, je vais la cuire à 1280 degrés comme le reste. Ça change pas grand chose à ces qualités. On sera juste un tout petit peu moins blanche. Bon, allez, on attaque la finition de la forme. On voit bien apparaître les pastilles de grès que tu as mis. Hein. Ouais, et théoriquement, toutes les petites traces grises là, entre deux, ça disparaîtra sur la finition. D'accord, les finitions, c'est quand c'est à moitié sec et que tu racles un petit peu, c'est ça? Ouais, on appelle ça le tournissage. Le tournissage, ça s'appelle. Tournissage. Ok. C'est pas mal quand il y a ça. Là. Non. Non, c'est pas bien. C'est pas beau. Bon, ok. Non, c'est surtout que là, je vais refermer un peu le col. Ah oui, tu fais. Donc je garde de la marge, un peu d'humidité dessus. Là, je vais enlever toute l'eau qui est à l'intérieur. Si tu laissais l'eau, ça ferait quoi? Bah, ça sécherait beaucoup moins vite en bas qu'en haut et ça risquerait de craquer la pièce. Pardon, ok. Donc, c'est par sécurité. Donc là on a le... Bon, là je vais refermer. Il fango. The mud. La boue. Et là je vais refermer le col. Je suis dessus. Pas trop fort, Jean-Jacques. Je suis en train de faire une vrille. C'est très précis pour avoir quelque chose qui se tient. Ah, surtout que si je fais une vrille à cet endroit-là, je ne peux pas refermer. Et du coup, le vase n'est plus tout à fait ce que je voulais. Oui, je travaille avec le petit doigt. Et alors? Parce que ça ne se fait pas normalement? Si. Bon, chacun fait comme il veut, quoi. Enfin, chacun fait comme il sent. Chacun fait. Voilà. On voit que c'est très malléable. Et que faut avoir une main très, très stable, il semble. Hein. Ouais, stable. Pour que puis, ça fasse pas des trucs tout travioles et tout. Il faut être doux et ferme en même temps. Aussi avoir la conscience de la ligne des limites de la terre. Là je sais que si j'insiste trop ça va lâcher. Qu'est-ce que ça ferait si ça lâchait? Bon, ça va partir en vrille, ça va faire un col plissé moche. Comme j'aime pas du tout. Ce serait raté quoi. Oh, certains potiers qui trouveraient ça bien. Hein. Donc là on est à 10 minutes pour une première étape. En fait, ces 10 minutes, c'est des années d'expérience, il faut bien le comprendre. Ouais, on ne tourne pas un pot de cette taille en une journée. Hein. Il faut des années d'expérience, donc c'est pour ça que c'est des poteries qui ont leur une valeur artisanale, quoi. C'est-à-dire, on ne s'improvise pas potier. La synchro, j'aimerais bien montrer qu'il y a un travail sur la pédale parce qu'en fait on ne sait pas. Ici il y a une pédale avec un qui règle la vitesse du tour
Et pendant que les mains travaillent, c'est un peu comme un batteur, et ben les pieds travaillent aussi. Voilà. Le petit coup d'éponge sur le bord pour rendre tout ça bien froid. Donc je le répète, hein, toutes les petites les parties horizontales un peu grisâtres, elles vont partir sur les finitions. C'est juste une, en surface, ça s'est étalé ouais, sur la porcelaine. La hein. En fait, c'est ce que j'ai sur les mains, qui reste sur le corps. D'accord. Mais c'est vraiment juste en surface, donc c'est pas un problème. Ouais, ok. Donc on est censé aboutir à une série de vases. Non, pas du tout, ce sont juste des essais. Donc, ouais, mais là, enfin, c'est vraiment. Là, c'est quand même. Il y en a deux déjà. Ouais. Hein, ils sont un petit peu différents chacun. Mais... J'ai été obligé d'arrêter, c'est plus de porcelaine. Ah. Et la porcelaine, il paraît que c'est relativement cher. Acheter ouais, comme. C'est la terre la plus chère. Comme type de terre, ouais. Ouais. C'est la terre la plus chère. Voilà. Bon, ben voilà. Voilà une pièce qui vous était montrée un petit peu. Ouais. C'est JJ Production. Puis après, il y a un nettoyage de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce plateau-là. C'est un rondeau. Un rondeau, ça s'appelle. Voilà. Et c'est pas un rondeau de Venise. Okay. On va la laisser tomber. Tu la couperas au montage, ça marche. J'aurais pas les moyens de la couper au montage parce que franchement, on n'a pas le budget. Ok. Bon, ben, on la gardera. Tant pis pour moi. Allez, je coupe.